lunettes de star, brushing ajusté, Thierry Lassemblée, 52 ans, un rocker dans l'âme. 30 ans de vie sur les routes avec son pick-up à l'américaine. 30 ans qu'il transporte sa caravane transformable en scène de concert. Sauf que ça, c'était avant. Depuis un an, fini les événements, Thierry Lassemblée s'est adapté. Il est devenu livreur. C'est le grand écart, mais c'est un mal nécessaire. Hein. C'est vraiment pour manger, quoi. Il faut que l'argent rentre. Il faut à un moment donné pouvoir se réinventer, laisser son ego aussi de côté, puisque passer du statut de chef d'entreprise à celui d'intérimaire, eh ben, n'est pas forcément évident. On est mercredi, 10h30, passage effectué. Quand j'ai commencé, je faisais une tournée dans le transport frigorifique. Je devais livrer des denrées alimentaires périssables. Et pendant 3 mois, je me suis levé à l'heure à laquelle je me couchais depuis 20 ans. Bonjour madame, ce sont les prélèvements de l'hôpital Doré. Ça me fait surtout découvrir les coulisses d'endroits dans lesquels je ne serais jamais allé, notamment celle de l'hôpital de Vannes, mais également de la préfecture où on peut être amené à livrer des ramettes de papier. Et l'ambiance est certainement moins rock'n'roll dans ce genre d'endroit que dans un festival, mais on s'y fait. Moins rock'n'roll, ça c'est certain, car son ancien quotidien, c'était plutôt ça. Des concerts dans sa caravane, sa mobile jam, c'est comme ça qu'il la surnomme. Désormais échoué ici, au milieu des bateaux. Ce qui me manque le plus, ce sont des sensations. C'est l'air qui vibre, la basse qui frappe, la grosse caisse qui émet des ultrasons, des vibrations qui nous prennent ici dans le corps. Ce sont des sensations qu'on a presque oubliées et qu'on espère voir revenir très vite, parce que ça, c'est vital. Retrouver la vie d'artiste, Thierry Lassemblée en rêve. Il espère pouvoir reprendre les tournées avec sa caravane l'été prochain.